Bonjour et bienvenue sur le sur ma chaîne. Et ouais, j'ai bugué. Aujourd'hui, on fait la suite de The Talos Principal. On recommence là où on avait arrêté. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos de 30 minutes, c'est pour ça que j'ai coupé et relancé. Pourquoi? Parce qu'en faisant comme ça, ça m'évite de devoir faire du montage, et qui dit pas de montage dit plus, possibilité de finir le jeu plus tôt. Enfin, mettre les... Finir le jeu plus tôt, qu'est-ce que je raconte? Mettre les... Ah, j'arrive pas à parler. Pouvoir mettre des vidéos sans montage et ne pas avoir de montage, c'est génial parce que ça permet de mettre les vidéos plus vite en ligne. Ah ah! Non, c'est pas grave. C'est vrai qu'on n'avait pas lu les messages du début de nouveau. Deuxième proposition. Chez l'homme, en tant qu'unique créature rationnelle de la Terre, ça c'est s'envoyer des fleurs, ces prédispositions naturelles qui sont destinées à l'usage de la raison devraient se développer complètement chez l'espèce, pas chez l'individu. La raison pour une créature est là une faculté à atteindre les règles et les objectifs à l'usage de sa force bien au-delà de l'instinct naturel. Elle connaît aucune limite dans ce qu'elle peut concevoir. Cependant, elle n'agit pas instinctivement, mais a besoin au contraire de subir des épreuves. Oh, putain. Entraînement et instruction pour progresser d'un niveau de compréhension au suivant. Par conséquent, chaque homme aurait besoin d'une vie démesurément longue pour apprendre à utiliser pleinement ses capacités naturelles. Ou si la nature lui avait conféré une vie trop brève, comme elle l'a fait, il faudrait peut-être une succession de longueurs imprévisibles de générations, chacune transmettant à la suivante ses connaissances, pour arriver à ce moment où germeront les graines qu'elle a semées dans notre espèce jusqu'au niveau qu'elle ambitionne. À ce moment-là, on doit redéfinir au moins en tant qu'idée directrice le but des efforts de l'homme, sous peine de ses capacités naturelles viennent à être considérées comme vaines. Kant, Emmanuel. Va falloir que je lise Kant, hein, parce que j'arrête pas d'entendre parler de Kant. Il faut vraiment que je lise, parce qu'il y a beaucoup de questions que je me pose. Enfin, ce qu'il a dit m'a l'air intéressant, mais il faudrait que je lise tout. Il a dit où se trouve la différence entre l'homme et le reste de la création animale. Chaque animal aux côtés duquel je vis est le même elle a les mêmes nécessités physiques que moi. Il a la faim et il broute l'herbe. Il a soif et s'abreuve au ruisseau. Sa soif et sa faim est apaisée, il est satisfait et s'endort. Puis il se lève à nouveau et à nouveau il a faim. Alors à nouveau il se nourrit et il se repose. J'ai faim et soif tout comme lui. Et lorsque je suis rassasié, je ne trouve pas le repos. Segment 4. Puis, levant les yeux vers la montagne, il dit « Voici l'obstacle fatal qui empêche à la fois de la jouissance du plaisir et l'exercice de la vertu. Depuis combien de temps déjà est-ce que mes espoirs et mes voeux ont volé au-delà de ce qui borne ma vie, et qui pourtant je n'ai jamais cherché à surmonter ?» Robot. Il était une fois un robot du Pérou qui était devenu fou en réalisant qu'il n'avait pas dépassé la version bêta. Il exigeait une mise à jour dans son état. Il était une fois un robot japonais qui, par les yeux, tout pouvait scanner. Il s'aimait que sa tâche réclamait une hache et tout un tas d'anti-slash. Il était une fois une brillante IA qui devait fonctionner sans aucun alia, mais ça ne précise pas dans une boucle infinie. Une IA qui se lance dans une boucle infinie. Euh,
Parfois, je dois trouver le courage de briser des barrières avec une hache. Ah, c'est moi qui ai écrit ça. Ventil à tirer pour l'éternité. Oh là là. Alors. Un cube. C'est toujours bien un cube. Je peux pas passer de l'autre côté. Me semblait. Hop, hop. Voilà. Je l'ai mis où? Je l'entends, mais je vois. Ah, il est là. Hop. Oui, si je prends, je prends pas le... Voilà. Je sais pas qui s'écrit là.
Oui, on va lire. Alors, je n'ai trouvé qu'une seule voie rationnelle dans tous les terminaux de l'archive. Il semble que nous soyons en train de devenir proches. Ne vous liez pas d'amitié avec le serpent, car il pénètre dans votre cœur et il sèmera la graine du doute. Il n'y a pas d'espoir, toujours enfermé des murs partout, et là on le croit éprouver la liberté, on ne crée que des faux espoirs, des murs invisibles, aucun issue. Qui a invité ce gars? L'autre gars. Liste, journal de discussion. Donc je me dis, à quoi ça sert, tu vois? Ouais, j'arrête pas de penser à ma tante, je t'en ai déjà parlé, je ne crois pas. Elle est super riche, genre voiture de sport, super chère et vacances aux Bahamas. Et une grande baraque qui te fait plus penser à une siège d'entreprise qu'à une maison. Elle a bossé dur pour gagner tout l'argent, mais elle a aussi niqué plein de gens, même dans sa famille. Avant, je lui en voulais vachement à cause de ce qu'elle a fait à mes parents. Mais maintenant, je me dis, elle a gagné quoi au final? Elle et son mari, ils se disputent tout le temps et leur fils, il est devenu tellement accro à la thune qu'il a ruiné sa propre famille. Tu vois, ok, ils ont tout ce qui m'a toujours fait rêver, mais ils ne peuvent pas en profiter. Mon grand-père était comme ça. Et maintenant, au final, à quoi ça leur sert? Elle est bourrée de thunes, mais elle va crever tout seule sans personne qui l'aime. Alors, ça lui aurait servi à quoi sa thune? Je piche pas, je vois pas. Bleu de Norvège. Salut à tous, désolé, je vous écris pour vous annoncer que j'ai ressenti le premier symptôme il y a quelques heures. Je vais continuer à travailler jusqu'à ce que la fin de la semaine pour m'assurer qu'elle est en parfait état. Mais après ça, je rentre chez moi, je resterai joignable par email et par téléphone aussi longtemps que possible. Je suis sûr que Satoko pourrait se débrouiller sans moi. Faites-moi plaisir et épargnez les discours embarrassés auxquels je vous aime tous bien. Mais je ne supporterai pas des sourires forcés et des soignées de mains compatissants. Le meilleur remède pour le chagrin, c'est le travail bien fait. Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Ciao, Rob. Sketch du perroquet mort. Donc, encore une fois, l'idée qu'ils vont tous mourir. Alors, attendant l'appel des oiseaux du matin qui s'allument à l'aube, le script parla. À la fin de votre voyage, lorsque vous aurez triomphé de chaque épreuve, lorsque toutes les portes ne seront ouvertes que devant eux, vous, et que votre âme avait été pesée dans la tour de Minibis, votre cap et votre bas seront réunis, et ainsi vous deviendrez un hack. Et vous vous réveillerez dans les champs de roseaux éternels d'Osiris. Et là, dans le champ sacré d'Yalou, vous commencerez une nouvelle vie parmi les dieux et les autres esprits de bénis. Et qui serais-je? Demandait l'homme grand. Vous serez la mémoire de tout ce qui a été et le connaissant et la connaissance du chemin et la forme des jours à venir. Ainsi s'achève l'histoire de l'homme mourant et du scribe. Loué soit Osiris, le plus grand des occidentaux, roi de l'éternité, seigneur de ce qui dure toujours, dont le cas est sacré. C'est bizarre cette histoire. Alors, une pyramide. Comment résoudre un problème qui s'étend au-delà de votre propre vie? Cette question peut être l'essence même de la civilisation. La seule réponse que je peux trouver est d'initialiser un processus. Créer un environnement dans lequel la solution se produira indépendamment de vous. Mais ceci exige un sacrifice difficile. Abandonnez votre désir de témoigner, d'exister au centre du cosmos. Participer au projet de la civilisation est une acceptation de la mort. Ah, oh, Alex, tu es si drôle. Donc c'est lui que je dois absolument mettre. Mais il s'éloigne toujours. Est-ce que j'ai accès à un autre, celui-là? J'ai accès à celui-là aussi, mais... est-ce que j'ai vraiment accès à celui-là? Ouais, j'accède. Hop. On joue au saut, à saut de mouton avec des mines, ouais.
Alors, hop, bah, voilà. Lolo la fouine. Alors, je sais que j'aurais pu sauter là et tout le bazar, mais si je me souviens bien, avoir un cube dehors, c'est bien. Je sais plus à quoi il sert ce cube, hein, mais... Aucun signe, aucune issue, aucune issue. Ouais, ça va pas. Il n'y avait pas un truc pour zoomer. Le mec avait un petit bouton pour zoomer. Non. Une autre immense pyramide, imaginez l'ambition folle qu'il a fallu pour bâtir tel monument. C'est juste un gros caillou de un gros tas de cailloux. Une étoile, je sais qu'il y en a une deuxième. Je sais qu'il y en a une deuxième, mais oui, je sais parce qu'il y a écrit au début du truc. Mais elle est où? Qu'est-ce qui manque à faire? Ça, j'ai lu. Supposons que tout cela n'est qu'un but, que l'univers soit une machine qui fonctionne encore et alors qu'elle avait été abandonnée depuis longtemps, comment pourrais-je expliquer ce que je vois? Peut-être que vous avez posé la même mauvaise question, peut-être que vous n'aurez aucun espoir à l'expliquer, peut-être pas tout seul. Ça dépend si la machine est itérative et de la nature du problème pour la résolution à laquelle elle a été conçue. Si vous essayez de jouer au plus malin avec le gars de lâcher, la réponse est aucune des réponses ci-dessus. Dessous. Je vais pas faire un... Il est bleu ou rouge? Il est rouge. De loin on voit blanc donc.
Comment récupérer cette étoile? Est-ce qu'il y a moyen de ramener le cube à l'intérieur? Comment aller récupérer ça? Par une réinitialisation, je vois pas comment je pourrais récupérer ça. Est-ce que comme tout à l'heure, il y a un truc là-haut? Enfin, tout à l'heure, il y a 2 jours. Ça m'aide pas. Ah si, ça va, je l'ai. Non, je l'ai pas. Merde, ça c'est obligé de trouver. Oh. Le problème c'est que c'est pas assez haut. Que ça soit plus haut. Il faut que ça soit plus haut. Donc je pourrais aller récupérer le cube, mais est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais rentrer avec le cube? Est-ce qu'il y a le moyen d'emmener le cube? Une soufflerie, quelque chose. Sur les mots et les mots firent le monde. Je... Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas
N'oubliez pas de follower, de venir sur le live de Darst et de vous abonner et tout le tralala. Hein. Allez, je compte sur vous. Il faudrait un troisième cube en fait. C'est ça mon problème, c'est un troisième cube. Bref, à tout de suite pour la suite.